Il y a des jongleurs, il y a des gens que quand il faut échantillonner le maïs, ils les amènent là où il y a le bon stock. On échantillonne le maïs, maintenant le jour où il faut livrer, il part prendre le mauvais maïs, il part livrer. Donc il y a plusieurs endroits, je veux dire quoi, il y a plusieurs personnes qui sont fait rejeter le maïs. Et lorsqu'on te fait rejeter le maïs, ce n'est pas la chose la plus agréable. Tu as loué le camion, il faut maintenant que tu commences à fouiller les clients par-ci par-là. Donc l'intégrité ici doit être vraiment à la lettre. Et avec eux, pour ceux qui voudront vendre, ils prennent le maïs à 225 francs. Ça c'est sur toute l'année. Donc maintenant, certains gens m'ont dit qu'actuellement le maïs est à 285. Comment est-ce que moi je vais laisser 285 pour aller vendre à... Ils prennent en grande quantité. Troisième. Oui. Il préfinance ton opération. Bah, il préfinance l'opération. Quatrième. La tranquillité. Dans quel sens? Il te garantit ce qu'ils vont tout prendre. L'autre tranquillité, c'est qui paye? Oui. Comme le contrat peut être signé, le mal c'était assez clair. Lorsque le mal change, vous ne pouvez plus changer le prix. Donc, le contrat s'est fait sur l'année et justement ils ont pris une certaine moyenne. Donc c'est à toi de voir si tu acceptes ou bien si tu vas refuser. Mais pour moi l'avantage principal c'est qu'ils payent. Parce que aujourd'hui il y a des gens, Wilfried connaît, qui me doivent encore de l'argent aujourd'hui. Ça fait peut-être 5 ans que j'ai livré le maïs chez eux. Donc parce que quand vous avez la pression, vous arrivez, vous livrez chez quelqu'un, il dit non, viens dans 3 jours, je vais tourner là. Dans 3 jours, il te dit non, viens dans une semaine devient ceci. Et on connaît que même si tu amènes quelqu'un en justice, s'il reconnaît seulement qu'il te doit, on ne peut pas le mettre en prison. Donc, et vous n'avez même pas intérêt, parce que l'objectif c'est qu'il vous rembourse. Donc quand vous avez des partenaires fiables, faites tout pour être dans des bons termes avec eux, parce qu'il paye. Lorsqu'il te dit 10 jours, c'est 10 jours, il va te payer. Donc autre chose aussi, c'est justement que ils font de l'accompagnement pour les producteurs de maïs. Accompagnement en engrais, accompagnement en insecticides, en herbicides et tout ça. Donc, et c'est un gros avantage parce que si tu vas peut-être dépenser 12 millions pour acheter les engrais et que quelqu'un te dit qu'il va te donner le crédit de 12 millions, c'est un 12 millions que si tu es commerçant, tu peux mettre ça dans la marchandise. Ou si tu fais dans les ports, tu peux acheter l'aliment des ports, tu commences à les nourrir avec. Donc c'est aussi intéressant. Maintenant, pour ceux qui voudront, en 2024, on pourra ensemble faire partie de ce programme-là. Mais on va d'abord commencer doucement. Parce que j'ai fait confiance aux gens par le passé et puis je ne me suis pas en sorti. L'année passée, j'ai pris les engrais pour 100 hectares et j'ai partagé 50-50 avec, j'ai envie de dire, un ami que j'ai aidé à se lancer dans le maïs. Donc le contrat c'était qu'on devait rembourser ce crédit là avec le maïs. Mais il y a des gens qui ne sont pas honnêtes. Quand ils voient qu'il a signé son contrat à 225 et que le moment de vendre c'est à 295, il faut avoir une intégrité assez solide pour pouvoir respecter ta part de contrat. Parce que quand vous faites 285, 225, ça fait combien de différence? Ça fait 70 francs, donc 70 000 la tonne. Donc, imaginez si vous avez 100 tonnes que vous voulez livrer, ça fait quand même beaucoup. Donc, et ce partenaire justement n'a pas respecté sa part de contrat. Mais sauf que comme c'est avec le nom de ma coopérative que je suis allé prendre les engrais, aujourd'hui j'ai les dettes de quelqu'un que je suis en train de rembourser parce qu'il ne prend même plus le téléphone. Donc c'est la raison pour laquelle, pour ceux qui voudront être dans ce programme en 2024, on va aller doucement. Donc même si vous voulez faire 50 hectares, on commence d'abord avec 5 hectares. C'est comme Wilfried a dit hier que je peux encore gérer 3 millions. Mais si je dois gérer 6 millions comme ça sur 5 personnes, vraiment le bootcamp de l'année prochaine n'aura pas lieu. Donc on va commencer vraiment de façon crescendo pour que si tu es intègre dans les petites choses, qu'on puisse évoluer au fur et à mesure. Donc je ne vais pas commencer à vous faire confiance sur 10, 20, 50 hectares. Ce ne sera pas intéressant pour moi. L'autre chose que vous devez savoir sur le maïs, c'est que les marges sont très faibles.
Donc, les gens qui vous disaient que venez investir dans le maïs, vous allez gagner 200% de bénéfices là, ce sont les gens qui vont faire la prison après. Donc, et il faut vraiment éviter ce genre de gens. L'avantage avec les céréales, c'est que sur l'économie d'échelle, vous gagnez. Donc, si vous faites le maïs sur 5 hectares, 10 hectares, 20 hectares, pour moi, ce n'est pas intéressant. Le maïs commence à être intéressant quand vous êtes à partir de 30 hectares. Parce que sur 1 hectare, on gagne en moyenne 200 000. Oui. C'est la vérité. Tous les 6 mois. On va faire les calculs ensemble, vous allez comprendre. Oui. Les gars, s'il vous plaît, il y a une question. Monsieur le ministre, vous avez dit qu'on vous apporte les semences et les engrais. Quel est votre moyen de concours des semences que vous donnez aux gens qui partent de cultiver, c'est-à-dire qui partent de cultiver l'argent? Non, pour les semences, on ne donne pas, on donne juste les engrais. J'ai dit quel est votre moyen de concours pour vous? En fait, pour le moment, je suis en train de réfléchir à avoir un ingénieur qui passe sur le site peut-être tous les 1 mois pour se rassurer que quand c'est déjà prêt là, vraiment que ce soit compliqué de nous jongler. Mais comme j'ai encore dit, j'ai créé une coopérative. Et l'idée de la coopérative, c'est qu'ensemble on réfléchisse. Parce que Loïc seul ne peut pas tout réfléchir. Donc si on est 5, on s'assoit, on peut trouver les moyens de pouvoir contrôler cela. Je dis ça parce que quand je prends l'exemple, par exemple, des gens qu'on donne les engrais et les semences au niveau du Nord Cameroun par rapport au coton. Quand vous leur donnez par exemple les engrais pour le coton sur 2 hectares, il prend 1 hectare, les engrais d'un hectare, il part faire le coton. Les autres, l'autre côté, il part faire les coutures maraîchères. Avec. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. C'est qu'il fait en sorte que la sur le coton qui leur donne les engrais n'est pas bénéficiaire à 100%, mais je comprends aussi le fond, parce que le prix aussi à l'arrivée n'est pas évident. C'est pour ça qu'il y a cette marge de compensation. Ok. Mais regarde, ce que moi je propose, et c'est ce que moi-même je fais, pour moi il faut être transparent lorsqu'on veut aller loin. Parce qu'aujourd'hui, l'entreprise qu'on appelle CFC, ils ont une usine d'une capacité de 30 000 tonnes de maïs par an. Et dans tout le territoire camerounais, la première année, ils ont pu collecter 7 000 tonnes. L'année passée, qui était la deuxième année, ils ont collecté 13 000 tonnes. Donc ça veut dire qu'on a encore pratiquement 17 000 tonnes à combler. Donc on a remarqué que les Camerounais produisent beaucoup de maïs, mais par rapport aux normes et à leurs exigences, il y a très peu de personnes qui produisent. Donc, et ils sont donc prêts à accompagner. J'étais à une réunion avec eux, je crois, la semaine passée. Ils sont en train de vouloir créer ce qu'on appelle, j'oublie le nom, mais c'est une sorte de coopérative où ils achètent les appareils agricoles et ils louent aux membres de cette coopérative-là parce qu'ils ont besoin du maïs. Maintenant, c'est à nous de voir, est-ce qu'on jongle, tu prends le maïs pour 10 hectares, tu fais 5 hectares, à Fumban, les gars vendaient même. Ils marchent dans les boutiques de phytosanitaires, ils voient les engrais sur lesquels ils ont écrit à ne pas vendre. Mais si on veut aller loin, les accompagner, parce qu'on sait que plus ils grandissent, mieux on grandit, il est important pour nous qu'on puisse être sérieux dès le départ. C'est pour ça que moi, ce n'est pas le nombre de personnes qui est intéressant, mais si on est 2, 5 ou 10 et qu'on fait le bon travail, pour nous, on est intéressant. Donc, et même si vous voulez faire dans l'élevage, faites le maïs de qualité parce que vos bêtes aussi en auront besoin. Si vous jonglez à la sortie, à l'entrée, ça va vous rattraper à la sortie. Donc c'est un peu ça. Maintenant, il y a aussi un autre système de primes qu'on est en train de mettre sur pied. C'est la prime au rendement. Donc parce que si quelqu'un sait qu'on va le primer par rapport au rendement, il va quand même faire l'effort de pouvoir suivre l'itinéraire technique. Donc voilà jusqu'ici quelques mesures qu'on a mis sur pied.
Oui. C'est la moyenne. Jusque là, j'ai pris la densité moyenne et on va calculer ensemble pour que vous puissiez voir. Donc, si vous voulez faire un hectare de maïs, vous aurez besoin de 20 kg de semences. On vend le kilo actuellement à, prenant une moyenne de 3000. Ça fait combien? 3000 fois 20, ça fait combien? 60 000. Ça fait 60. Vous allez mettre en moyenne 6 sacs. C'est ça, non? 6 sacs d'engrais à l'hectare. Donc, ça veut dire 4 sacs de NPK et 2 sacs d'urée. Le prix moyen, si on met avec les petites charges de transport, on est à 30 000 par sac. À date d'aujourd'hui. C'est bon? Donc, on va prendre engrais. 300 kilos. Voilà, 300 kilos. Engrais. Ça fait combien? 30 000 fois 6. Font combien? 180. Voilà. Pardon? 20 kilogrammes, 60 000. Non, ça c'est la semence. Oui. Après les engrais maintenant, il y a les herbicides. C'est combien par hectare maintenant? 4 litres par hectare. Les litres. Les litres. 6 000. Ça fait combien? Voilà. C'est ça, non? Ensuite, on a les insecticides. On met souvent combien? Ok. Donc, ça fait 3 litres. Voilà. Et je crois qu'on est toujours dans les 5000 litres. Ouais, donc on prend une moyenne de 5000 litres. Ça fait combien? 15 000. On est déjà à combien? On est à combien? Ça fait 60 plus 180. 60 000. 60 000. Ouais.